Macarons are the crème de la crème of confections. Avec sa coque bien lisse, sa ganache bien brillante et bien onctueuse, il demande qu'à être croqué. And the French love them. C'est comme un petit sandwich d'une manière, mais qui est du coup gourmand, mais en même temps raffiné et délicat. But how exactly are macarons made? And what makes them a French classic? First off, what are macarons? Un macaron, c'est une petite confiserie à base d'amandes et de sucre glace et garnie d'une ganache au chocolat ou aux fruits. Among the classic flavors are vanilla, pistachio, raspberry, and quite popular, chocolate. They're the specialty of the Parisian Jean-Paul Evan brand. Je suis Sylvain May, responsable du poste macaron chez Jean-Paul Evan. Et je vais vous montrer comment on procède à une réalisation de macarons au chocolat. The principal ingredients are almond flour, powdered sugar, egg whites, sugar, and cocoa. Voici le mélange poudre d'amande, sucre glace et cacao pour réaliser les coques de macarons. Donc on les verse dans le batteur. On incorpore nos blancs liquides. On effectue un premier mélange. In the meantime, the sugar is mixed with water and boiled at 120 degrees Celsius. The resulting sugar syrup goes into the blender with the egg whites to make the meringue. This is mixed with the dough for the shell. Alors c'est un mélange assez rapide pour éviter de casser les blancs, que ça soit trop liquide après. Et ensuite, on va terminer à la main. This way, the dough turns out especially fluffy. Once it's thoroughly stirred, Sylvain scoops it into a piping bag and portions it out onto a tray lined with baking paper. C'est pour qu'il soit bien plat. Sinon, on aura des macarons qui seront légèrement arrondis et c'est pas la valeur du macaron. On va les laisser 30 minutes, on appelle ça croûter, pour éviter qu'ils craquent à la cuisson. After that, the macaron shells go into the oven for 20 minutes at 160 degrees Celsius. On les laisse refroidir une bonne dizaine de minutes et on peut ensuite les décoller assez facilement. On a du papier. Une coque de macaron parfaite, c'est une coque qui est bien lisse. The filling for the chocolate macarons consists of cream, butter and three types of chocolate. It's applied with the piping bag. The top goes on and the macaron is done. C'est un produit qui est assez exceptionnel. Il demande qu'à être croqué, quoi, finalement, avec sa coque bien lisse, sa ganache bien brillante et bien onctueuse. Il demande qu'à être croqué. Unlike cookies, macarons don't keep very long. They'll generally turn hard in just a few days. So eat them while the eating's good. On the other hand, macarons are very rich in calories. A single macaron 3 centimeters across packs up to 100 kilocalories. But they will slim down your pocketbook. In Paris, one macaron costs between 2 and 3 euros. But nobody can eat very many at once anyway. They're just too sweet. Du macaron par rapport à sa taille, bon, c'est difficile de dire qu'il y a un prix élevé. Ça dépend de tout ce qu'on a derrière, du choix des matières premières. Ça dépend de plein de choses. This is Jean-Paul Evin, founder of the brand of the same name. Ça dépend s'il est bon. L'essentiel, c'est que quand on a fini de déguster ce macaron, s'il est très bon ou s'il est bon, on a trouvé du plaisir. Ça, c'est le plus important. Parce que si on n'est pas bon et que vous payez cher, c'est pas drôle. The word macaron, by the way, comes from the Italian amacare and means to crush. The tasty pastry is said to have been brought to France by French Queen Catherine de Medici in the 15th century. Later, macarons became a sweet treat at the royal court in Versailles. Marie Antoinette in particular was said to indulge quite often. The filled Parisian macaron known today was only developed in the 1930s by a second cousin of Louis-Ernest Ladurée, the founder of Ladurée, the oldest macaron maker still in existence. By the late 1990s, the macaron was once more all the rage, and it's retained its popularity to this day. Si
Ça peut être un dessert, ça peut aussi être un goûter ou s'accompagner avec un apéritif par exemple. Mit Macarons verbinde ich Paris. Für mich sind das so die schicksten Kekse, die man sich überhaupt vorstellen kann. Maintenant, c'est encore plus cher, mais ça vaut le prix. Après, ça dépend aussi quel prix, mais c'est la renommée, c'est bon. J'ai déjà mangé des macarons au foie gras ou voilà, avec du piment d'Espelette ou voilà, des choses qu'on va plutôt retrouver en cuisine salée. Now, unusual variations have started showing up with leaves of basil and honey and bergamot. And the pastry chefs of Paris are constantly developing new flavors. C'est toujours complexe parce qu'il faut trouver, avoir une petite idée du goût qu'on veut lui donner. Donc il faut chercher la matière première, c'est un des éléments essentiels du goût. Et puis ensuite, je fais des tests pour voir les équilibres. Parce que ce qui est intéressant, c'est que le mélange macaron, amande, sucre et puis ganache, ça va donner un univers. Incidentally, in 2005, France officially declared March 20th Macaron Day, even if the French have no qualms about munching on macarons every day of the year.